Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul 100% soin, sauf un seul produit maquillage que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, comme ça c'est fait. Et à vous dire voilà que je vais les utiliser dans très peu de temps dans d'autres vidéos. Avant de commencer la présentation des produits, si jamais ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît et également à me soutenir en regardant quelques pubs ou même une seule sur YouTube. Tout est dans la barre d'infos. On va commencer donc par le seul produit de make-up qui m'a déjà taché la main parce que je m'en suis servie aujourd'hui pour ce maquillage que normalement vous aurez déjà vu sur la chaîne avec la palette Life's Festival qui est dans ma rotation make-up en ce moment. On va arrêter de blablater, hein, n'est-ce pas? Et on va passer à la présentation des produits que j'ai achetés, comme ça je vais pouvoir m'en servir. Je commence par ce premier produit qui est le Titutan Face and Body de By Terry. Donc c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est un produit, c'est une eau de soleil hydra-bronzante intégrale. Je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on la voit beaucoup passer. Si jamais vous ne la secouez pas, c'est complètement mat. Si jamais vous la secouez, c'est satiné. Je vous montre. Donc là je l'ai secoué comme ça, vous avez l'effet satiné. Je m'en suis servi déjà deux fois. Là c'est un petit peu dégouliné parce que c'est réellement aussi liquide que de l'eau. Pour le moment le résultat est plutôt sympathique. Je vais continuer mes tests, comme ça je vous en reparlerai peut-être dans des favoris ou dans d'autres vidéos. Ensuite tous les autres produits que je vais vous montrer, je ne les ai pas du tout testés. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. D'abord sur le site Sephora, j'ai acheté trois produits. Le premier c'est le masque retexturisant à l'argile rose de Origins. J'ai jamais testé cette marque et je voulais un masque pour traiter un petit peu les irrégularités de ma peau parce que j'ai pas la peau du tout lisse. J'ai les pores qui sont très dilatés, très apparents et vraiment la peau qui est pas lisse du tout. Donc je voulais essayer avec ce masque là, mais j'ai d'autres masques à finir avant que je voudrais terminer et après je pourrais me pencher sur celui-ci. J'ai pris le format voyage qui est un 30 ml, que j'ai dû payer 15 €, mais j'ai pu avoir les moins 25% dessus, donc très bien. J'ai pris également le Glow Tonic de Pixie, je voulais l'essayer celui-ci. J'utilise d'autres produits à peu près dans le même genre de la marque Sanoflore, c'est le peeling botanique, j'y suis arrivée. Et je voulais essayer également celle-ci parce qu'on entend beaucoup parler de la marque Pixie et c'est vrai que j'ai vraiment envie de tester leurs produits, donc j'ai pris celui-ci également en format voyage. Et je me suis pris le gommage éclat visage exfolie et lisse de chez Sephora. Là je viens de finir le gommage visage que j'avais, donc j'en avais plus. Il coûte pas cher celui-ci, 8,99 € pour 50 ml, franchement c'est rien du tout. Je vais même pas regarder à quoi ressemblait le flacon. C'est un flacon tout ce qu'il y a de plus simple, mais ce que j'aime bien moi c'est les flacons comme ça quand on va, ça c'est plutôt pour emmener sous la douche. Donc quand on l'emmène sous la douche, c'est plus pratique ça que d'avoir un flacon qui se dévisse. On va passer maintenant à la marque Hello Body. Alors sur la marque Hello Body, j'ai acheté un gros kit corps cheveux plus deux autres produits à part, puisque si vous suivez les comptes de bons plans sur Instagram, vous aurez pu voir qu'ils se sont plantés le body. On a pu cumuler deux codes promo de moins 50%. Donc tous les produits que je vais vous montrer là, au lieu que ça me coûte 235 €, j'en ai eu pour 58 €. Donc vous voyez, la réduction est quand même plutôt belle et je suis très contente d'avoir pu profiter de ça. En plus de ces codes promo là, les réductions, j'avais deux masques cheveux offerts. Donc là vraiment super contente, super promotion. J'ai un produit que j'ai déjà entamé qui est dans ma douche, donc c'est le gel douche à coco de Hello Body. Donc là je suis en cours de test, j'avais besoin de gel douche donc je m'en suis servie. Et sinon tous les autres je ne les ai pas du tout utilisés. Nous avons le conditionneur donc de Hello Body. Donc c'est toute la gamme coco hein, pour ce que je vais vous présenter. Là c'est un 200 ml. C'est pour cheveux normaux à sec. Alors moi j'ai plutôt les cheveux secs, donc on verra si ça suffit. De toute façon je vais compléter avec des masques. Cet après shampoing hydratant laisse les cheveux magnifiquement doux et brillants grâce à l'huile de noix de coco et à l'extrait de graines de moringa. Ensuite là on a donc le Coco Cream Body Butter. Combien de millilitres? 195 ml. Profite d'un moment ultra nourrissant avec notre beurre corporel riche et crémeux qui redonne à la peau sèche toute sa douceur grâce au beurre de karité, de cacao et de cupuaçu. Donc du coup très contente de tester. Je ne l'ai pas ouvert encore pour sentir. Et on sent pas du tout à travers, vous avez une opercule. Donc voilà, je vais pas tarder à l'entamer hein, celui-ci. Ensuite, nous avons le shampoing, toujours à la coco. Là, c'est un 200 ml. Dis bonjour à une chevelure douce et éclatante avec notre shampoing intensément hydratant. Contient des ingrédients nettoyants doux et de l'extrait de noix de coco. Appliqué sur cheveux humides, masser les racines aux pointes, etc. etc. Pareil, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense.
Ensuite, nous avons le Coco Calm. Donc, c'est un face toner de 150 ml. J'aime beaucoup les toners comme ça pour le visage. Quelles sont les promesses de ce produit? Lotion tonique apaisante pour le visage avec de l'eau de coco, de l'extrait de calendula et de l'aloe vera. J'espère que l'aloe vera, ça ira parce que moi, sur le visage, ça me fait réagir. Après, quand c'est mélangé comme ça avec d'autres produits, en général, ça va. Ensuite, donc, vous avez le masque cheveux. Donc là, vous avez les deux masques pour les cheveux. Donc, j'en ai ouvert un des deux pour sentir, c'est celui-ci, je crois que je vous verrai. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc, quelles sont les promesses de ce masque pour les cheveux? Ce masque à l'huile de coco et au beurre de karité aide à améliorer la maniabilité des cheveux et les laisse doux et hydratés. Donc, moi, hydrater, nourrir mes cheveux, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin des deux. Ensuite, nous avons le Coco Clear, donc c'est le détox masque, c'est pas facile à dire. Quelles sont les promesses de ce masque? Masque détoxifiant à la tourbe, utilisé une à deux fois par semaine. J'ai plein de masques encore purifiants qui sont dans ma rotation, dans mes projets pan. Donc je vais déjà les finir et on verra pour celui-ci après. Ensuite, nous avons la face cream, donc le Coco Day. Donc c'est une crème hydratante visage à l'huile d'amande douce et huile de noix de coco pour un visage sain et doux toute la journée. J'ai pas fini encore ma crème pour le jour, donc ça c'est pareil, je vais pas l'utiliser tout de suite. Là c'est le détox, le Coco Fresh Detox Face Cleansing Foam. Toujours magnifique cet accent anglais. Profite d'un nettoyage doux mais efficace avec cette mousse onctueuse pour un visage purifié matin et soir. Donc ça je vais le mettre dans ma, je pense dans ma douche parce que, ah mais je vous ai pas montré, mais je l'ai acheté aussi, le nettoyant de chez Rennes à la rose, nettoyant visage. Donc celui-ci, je vais le mettre dans ma douche. En fait, j'aime bien en avoir un à côté de mon lavabo parce que j'utilise après m'être démaquillée. Et un sous la douche, en fait, parce que j'aime bien aussi me nettoyer le visage sous la douche. Ça dépend à quel moment je vais prendre la journée et je me maquille pas forcément tous les jours. Donc, et je ne prends pas forcément ma douche après me démaquiller, enfin, c'est un peu compliqué. J'aime bien avoir un dans ma douche et à côté de mon lavabo quand j'ai besoin, donc j'aime bien avoir deux. Donc celui-ci il va être entamé incessamment sous peu. Ensuite nous avons la face cream detox night, donc le Coco Soft. Donc ça je pense que c'est pour la nuit si j'ai bien compris. Détoxifie, nourrit ton visage durant la nuit avec cette crème de nuit riche grâce à l'extrait de tourbe qui purifie et aux huiles hydratantes de jojoba et d'avocat. Donc pareil, j'ai encore ma crème de nuit qui est presque neuve, donc ce sera pas pour tout de suite. Nous avons ensuite la Daily Eye Cream, donc ça je pense que c'est une crème pour le contour des yeux. Crème contour des yeux à base de beurre de karité aux propriétés lissantes, donc on verra bien, mais pareil j'ai encore, merci le soleil qui s'en va. On va continuer comme si de rien n'était parce qu'à mon avis il va revenir. Donc vous avez un petit tube comme ça de 15 ml. Pareil, j'ai encore du... Je vais peut-être essayer de l'appliquer le soir, celui-ci. Je vais essayer celui-ci le soir, voir s'il est un petit peu plus riche que le Sephora que j'utilise en ce moment. Et ensuite, nous avons donc deux produits. Vous avez le Coco Rich qui est un lip balm. Alors, je sais que j'avais dit que je ne reprendrai plus de baume pour les lèvres en peau. J'avais tellement envie de l'essayer, celui-ci, que du coup je l'ai pris parce que les deux, ça et le... Ça et le gommage que je vous montrais ici, je les ai eu à 8€ avec les deux fois moins 50%. Donc en fait, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, là vous avez le lip scrub et là vous avez le lip balm. Voilà, je vais peut-être l'utiliser le soir celui-ci. Ah non, j'en ai un entamé de baume pour les lèvres pour le soir, donc celui-ci il attendra un petit peu. Donc voilà pour tous les produits et le body que j'ai acheté. La promotion, enfin le bon plan comme ça valait vraiment le coup. De toute façon, et le body, vous avez très souvent leurs sets comme ça qui sont à moins 50%, voire moins 60%. Donc essayez des fois si ça se cumule avec un autre code promo, on ne sait jamais s'il y a une erreur sur le site, n'est-ce pas? Je suis bien contente d'avoir tout ça à tester. Je vous en reparlerai au moment venu dès que j'aurai testé un petit peu plus ces produits. Je voulais juste rajouter un autre produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Là, il y a quelques jours que je viens d'utiliser. Et le lot de 3 éponges, je crois que c'est Marion Caméléon qui en parle. On trouve sur Amazon pour 10€, donc 9,90€. J'ai déjà essayé l'éponge deux fois et je dois vous dire que je suis assez fan
du rendu de l'éponge, la prise en main, etc. La texture de l'éponge, elles sont vraiment pas mal. Beaucoup disent qu'elles sont bien, mais je confirme. Pour le moment, les deux utilisations que j'en ai eues, c'était vraiment bien et avec deux produits teint différents. Voilà, je vous ai présenté tous mes derniers achats, principalement du soin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Partagez avec tout le monde et me donnez aussi votre avis. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !